passé vraiment une super nuit. Je suis désolé, il n'y a pas beaucoup, beaucoup de lumière, mais j'arrive pas à voir. Je suis complètement ébloui en fait. Il y a du brouillard, il n'y a pas de soleil. Et en même temps, on est ébloui. C'est particulier comme ambiance, mais c'est génial. Le brouillard se lève tout doucement, tout doucement. Là, on profite vraiment des derniers instants et puis on a nettoyé le chalet, vaisselle faite, voisin fait aussi, balai avant bien sûr, les sacs sont prêts. On est quand même beaucoup plus léger qu'hier. Franchement, une super soirée. On a fini en jouant au jeu de cette famille, minuit passé, fracas. On a bien rigolé. Et puis. Un petit souci, Cyril s'est fait mal. On ne sait pas trop comment d'ailleurs. Apparemment, ce serait son chien, mais on ne sait pas trop. Parce qu'elle n'a pas bougé cette nuit, elle a dormi avec moi. Rien à dire. On a mis un petit mot dans le cahier. Enfin bref, un week-end vraiment super cool. Donc là, on s'en va, on va décoller là dans 5 minutes. On va essayer de monter au grabeur. Je vous ferai des images. J'aimerais bien voir ce chalet parce qu'il est vraiment, je l'ai vu en photo uniquement et il m'impressionne. Donc ça, je voudrais vraiment partager ça. Et je prévois bien sûr d'aller passer une nuit un de ces quatre. Alors franchement, je vous le dis à vous, mais je ne l'arrive pas là. Je suis parti un peu en avant. Voilà, être obligé de marcher des airs pour réussir à arriver à un refuge où il n'y a même pas l'eau courante. Les chiottes, c'est un trou. Et puis tout ça pour voir quoi? Des arbres. Il n'y a même pas une pizzeria, il n'y a même pas un McDo. Pas la télé. À peine de réseau. Pour revenir après la bagnole, la prochaine fois, je reste chez moi. C'est même pas la peine. Bon, toutes les autres mises à part. Vraiment un super moment de partage. On se marre bien. Ah, vraiment au top, moi je dis. Faut repartir là pour la même chose, je repars tout de suite. Ça va, ça s'est bien passé? Oui! Regarde, je suis guéri. On voit plus le bandage. C'est à quoi que les gens en doivent avec nous en fait, c'est que je me fais un pet. Hein. La dernière fois, c'était la douceur. C'est pour vous dire au gag? Donc là, on est à la source de la douleur. Parce que 10 Holler c'est pas un mot alsacien, on est en Alsace mais c'est pas un mot alsacien. C'est-à-dire 10 Holler c'est du vieux celtique. Je crois que ça veut dire la source ou la rivière ou l'eau, un peu comme ça, il a dit. Donc c'est pas l'alsacien malgré la consonance germanique Holler. Vraiment c'est 10 Holler. Voilà, rencontre du jour. Un troupeau de vaches. J'ai pas retenu le nom, on a vu en bas. The Island. The Island, voilà. Vache à cornes. Ah, ça aurait été grave bien, ouais. Bien sûr que je la vois.
Celui-là, je l'aurais attendu. Versant nord, donc ça va choquer aussi. Ouais, hein. Je vois déjà un peu les toits. Les grimpeurs. Pour moi, c'est un vrai plaisir de venir ici. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce chalet. Et puis. On voit, voilà. On est sur un toit végétal, vraiment confondu dans la nature. On a de quoi manger extérieur. On a une vue extraordinaire. Et on a un espace qui est beaucoup plus récent, mais qui permet de faire du football extérieur. Donc vraiment très bien. Alors c'est vraiment pas grand. C'est vraiment pas grand. Mais alors, franchement top quoi. De se faire une petite pause repas au grabeur, un petit thé, fin de brioche, voilà, on a fini les restes d'hier soir, il fait un peu frais, mais franchement on se régale quoi, joli petit chalet, je suis bien content d'être venu. T'as parlé de mon cake dans ta vidéo. Ouais, je viens d'en parler un instant de ton cake. Ah, j'ai pas entendu. Ah. Alors cake sucré délicieux, mais alors crack salé une tuerie quoi. De la douleur, on va. Je pense que. Ça mange de vie. Avant, non, il rit pas, il se moque de moi, ça n'a rien à voir. Non, mais moi j'ai mal mes côtes. C'est pas pour ça que je fais. J'ai pas de muscu. Alors, je serre les dents, je fais un peu des exercices un peu moins fort. Et puis après, dans la nuit, j'arrive pas à dormir parce que j'ai trop mal. Ouais. Ah, par contre, on les tombe, je crois que je suis mal barré pour quelques temps. Les gens, c'est plus encore que je crois que je vais faire les pompes pendant deux semaines. Je sais, j'ai repris un mal. Quand tu programmes pas ton entraînement, tu dois te le dire. Allez, toi là, viens. Ouais, c'est bien du côté là, mais moi, de l'enfoiré, la même mèche. Cola. C'est un peu du bruit. Et pourquoi tu l'as pris Cola? Parce que c'est comme ça que tu t'appelles quand j'ai adopté. Ça, c'est un peu l'air de ça. Bon, on est en train de finir cette petite rando, tranquille. On a pris l'option cool. On a quand même un peu plus de 10 bornes aujourd'hui, plus ce qu'on s'est marché hier. Je vais vous laisser finir tranquillement cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Et puis, on se revoit bientôt lors d'un prochain bivouac. Allez, à bientôt le monde. Bon, pause pipi, on est arrivé aux bagnoles. Donc en gros, hier on est monté là, on est remonté là-haut. On a dormi là-haut, derrière. Et on a dormi derrière là-bas. Et aujourd'hui, on est redescendu par là. On est passé dans le creux, on a été derrière pour aller au grabeur. Derrière plus haut. Et plus haut. On a fait une petite boucle, on est revenu, puis on est redescendu par là. Là, et le chemin qui est là. Et la route. Donc en gros, on a dû faire à peu près 35-36 km sur deux jours. À partir de 4 km.
3 km hier avec une bonne montée et 8-9 bornes aujourd'hui, tranquille quoi. Franchement. Aujourd'hui on a fait. Ouais, 9 bornes. En vitesse, oui. Non. Distance, je pense qu'on a fait. De distance, on était 8-10 bornes. Ouais. En vitesse moyenne, je pense qu'on était à 3-3,5 km. Ouais, ça se peut. Un tout petit peu plus rapide que quand on était au Ventron. Ah, nettement plus rapide, on était à 1 km/h au Ventron, hein. 800 mètres à l'heure. On rampait au Ventron. Moi seul, je marche à 4,5, accompagné à 4. Moi seul, je marche à 3,5, je suis accompagné à 3,5, je marche tous les jours.